Parce qu'on va continuer où on s'était laissé la dernière fois. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Présentement, il y a eu beaucoup de combats. D'ici, genre, je sens que le combat final va être épique. On verra rendu là. Après, je vais faire aussi après d'avoir fini, je vais faire un peu des petites vidéos pour vous montrer pour le mode libre, genre des bases ennemies, des laboratoires, des défis de Deckmaster et tout. Un peu. Je vais faire pas mal les quêtes les plus intéressantes. Puis ensuite, on va enchaîner les DLC. Bien sûr, le DLC de Black Cat, le DLC des gangs. Et au mois de décembre, le DLC qu'on sait pas comment il va s'appeler, mais après, vous ferez le DLC. Et après ça, si après ça, il y a d'autres DLC dans l'avenir, parce que là, il y en a juste trois, je vous le ferai. Du coup, on continue où on s'avait laissé. Bon, go. Rangez ça là. En attendant le retour de Miles, le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir tout le monde. Oh, Peter. Je suis si contente de te voir. Comment tu te sens? Je vais bien. Et toi, Tante May, tu t'en sors? Oui, mais je n'arrête pas. Oh, laisse-moi te... Oh, oh, doucement. Je vais bien. May... C'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres? Toi et Ben, vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Espérons. Un peu surmené, c'est tout. J'espère qu'il mourra pas. Il peut pas t'aider un peu? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles, d'accord? Bien. Mon amour propre de Parker a été blessé, il faut le choyer. Allez, Miles, réponds. Je me fais déjà assez de soucis pour Tante May. Chut, Amway. Tu parles d'une petite balade. Comment des prisonniers... Oh, mais... On dirait qu'un bulldozer atomique est passé par là. Je peux pas faire demi-tour. Le fils a besoin de ses antibiotiques. C'est genre des petites missions comme ça, c'est tranquille. Vite, une diversion. Mon app de piratage. C'est quoi ce bruit? J'ai quelques secondes. Je devrais pouvoir passer par-dessus ce mur. Ouais, sauf qu'il y a plein de gardes. Il y a une pharmacie dans cette tente. C'est plus facile que prévu. Toi aussi, dis pas à discrétion. Désinfectant, mais pas d'antibiotiques. Je dois chercher encore. C'était quoi? Faire vraiment être de ce côté des gars. Ça peut s'arrêter très vite. T'as juste à nous dire où et quand ont lieu vos... Il y a d'autres réserves par là. Il faut que je contourne ces types. J'ai pas cette information. Écoute, j'aime pas avoir des... Ça me fait nager. Donne-nous simplement l'info et il arrêtera. J'ai pas accès à ce genre d'info. Ah, désolé. C'est pas ce que Ben... Pourquoi ces supersites veulent à tout prix s'en prendre sans problème? Moi, c'est quoi le rapport à Osborne? Je me dirais qu'il est faible et qu'il n'est pas capable de protéger la ville. Tout ça pour ça. Enfin, moi, du moment qu'il me laisse garder le matos qu'on trouve. Pareil, ces trucs valent une fortune sur le marché noir. D'ailleurs, on va bien s'y remettre. Il faut que je reste dégagé sable, on laissait tomber les dépôts alors? Ouais, au bout du compte. Maintenant, le gros Bastok s'occupe des stations tout seul. Vrai bombe atomique sur base. C'est quoi, ça, c'est le sang des Slaves. Ça rend partout. C'est insultant. Ma grand-mère est russe. Ta grand-mère? Alors, tente de provision. Croise les doigts. Des kits de premiers soins. Mais pas d'antibiotiques. Il
d'autres réserves. Allez, faites que ce soit la bonne. Très grand. J'ai la lune. Voilà le bulldozer atomique. Le planning et les lignes de ravitaillement. Vite ! Yaskadal ! Messieurs, excusez-le. Mon associé est... un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Allez. Oh ! Je n'ai pas besoin de voir ça. C'était quoi ? Va voir. Vite ! Oh merde. Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment. La main, oui. Non ! Je sais que t'es là ! Montre-toi ! J'ai pas de temps à perdre. Le tunnel. Je peux peut-être me faufiler par-dessous. Viens là ! On s'amuse avec lumière maintenant ! On m'amuserait avec la paix. Ne joue pas avec moi. J'ai pas le choix, je dois lui passer sous le nez. Ma patience a des limites. Encore un peu. J'ai pas besoin de ça. Go. C'est passé près. Trop près. Faut que je sorte d'ici. Je dois plus être loin de la sortie. Cache ! Oh la vache ! Il faut que je me tire d'ici. Fini ce jouet ! Là-haut, je serai plus. Quand je te trouverai, je t'écraserai ! C'est ma seule chance. Je dois lui faire dégager le passage. Ah merde. C'est comme cache-cache. Je déteste cache-cache. Ah merde. Je devrais prévenir May que je les ai. Lâchez-moi. Ah, on va se battre. Au secours ! Erreur, gamin. Oh, on bouscule pas les gens comme ça. Quoi ? Comme ça ? Ok. C'est qui mordrait ? Les hanches droites. Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans deux secondes, il racontera plus grand-chose. Aïe, aïe. Non, c'est bon.
Au moins, il sait se défendre grâce à Peter Spider-Man, Peter Parker. Moi aussi. Faut que je travaille mes répliques de baston. Miles, hey, j'arrivais pas à te joindre. Toi bien? Eh, au fait, vous énervez pas, mais il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. Il doit terminer. C'est impressionnant, Miles. Reste à proximité du type. On sait jamais. Les détenus pourraient s'en prendre au refuge. Ouais, j'ai pris de l'avance. S'il arrive quoi que ce soit d'autre ici, je vous tiens au jus. Super. Merci, Miles. Yuri, j'ai compris le plan de Reno. Il s'en prend au centre d'aide d'Oscorp. Je pense savoir où il va faire son prochain coup. On nous a signalé un éventuel séisme, voire beaucoup de casse dans le centre de Harlem. Ça lui ressemble. Je me rends là-bas. Ça va comme vous voulez? Je suis crevé, mais je tiens le coup. On va s'en sortir. Gardez espoir. Bon, on va se rendre là-bas. Sur le chantier, genre. Tu vois, je comprends, tu vois. Bon, c'est une barre de nuit. Ah non, c'est juste le rhino qu'on va battre, bien sûr. On l'a échappé chaud. Je me vois comme je vais, mais bon. N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme. Finissons-en. Tu l'aurais supplié d'arrêter? Oui, Gargan. Je te traite comment tu veux. Oh, on dirait un vieux fou. Trop mignon. Non, mais vous êtes sérieux, les mecs? Qu'est-ce que tu dis des 6 qui ont tué Spider-Man et accroché sa tête au mur? Arrête! Ridicule! C'est ça, un gros imbécile! Occupez-toi quand j'en aurai fini! Attrape-le, imbécile! Attrape-le! Viens plutôt m'aider! Messieurs, je vous en prie! Il y en aura assez pour tout le monde! Bon, au moins lui il est dead, il va juste rester l'autre. Tu sais ce qu'Octavius fera s'il découvre que t'as échoué? Que j'ai échoué? Eh ouais, espèce de demeuré! J'allais passer un peu de temps ensemble! On finirait peut-être par vous entendre! Ouais, on les a emprisonnés enfin. Il va juste rester Yuri, ouais. Et deux quatre. Le lore dans le chrome. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça m'étonnerait pas de la part de notre cher. Pense... Je m'occupe du souffle du diable. Je pense qu'il va juste être avis, ça. Salut Peter, j'ai parcouru les
bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart ? Ça me l'a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en douce, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. Du coup, on va se rejoindre là-bas. Gracie Mansion, terminé. Ok, MJ, je suis à deux rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Ok. Non, une mission avec MJ. Bon. Mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Il pourra pas s'en remettre. Aux prochaines élections, il va se faire laminer. Entrée interdite. J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai ? Venez. On va parler à la sécurité. On reste au rez-de-chaussée. Plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi ? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors ! Vous pouvez pas nous traiter comme pourquoi des bêtes ! Pourquoi Osborne n'est pas en bas ? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Ça devrait suffire. Ah, bon sang. Thierry, amène-toi. On a un problème. Non, on va pas, c'est... Poste de sécurité. On est aussi important qu'Osborne. Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme. Sable International a presque fini son inspection. Vous avez déjà dit ça il y a une heure. Je comprends votre impatience, mais je vous le rappelle. Sable fait tout ça pour votre sécurité. Pour la sécurité d'Osborne, surtout. Bon, là, on va rentrer là. Du coup... Je qui adorerait te rencontrer. Non, on va paralyser des gens. Yeah. Je continue ma ronde. L'immeuble a coûté des millions, mais purée, niveau internet, on se croirait en 1995. Il faudra qu'il se retourne. Je fais une ronde. Je vous tiens informé. Centrale, j'ai entendu quelque chose. Je vais... Voilà. Je suis sûre que Sable offre des primes de risque. Je sais pas. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Mary Jane Watson, super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ouais. Si on va faire. Merde. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Dernier étage. C'est bon. Norman et Sable, comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme et virez-le. Saleté de bouton, inutile. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Du diagnostic autonome.
Merci de garder votre calme. Les portes sont verrouillées jusqu'à la fin de l'analyse. Oh, il y a des papiers là. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, le fait que Norman y soit autant impliqué. MJ, sa grouille d'agent de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approche pas trop. Je dois vraiment sortir pour l'instant. Là, il y a des papiers, là. C'est quoi cette chose? Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur. On dirait. Je me demande ce qu'il y a derrière. Avant, je vais juste tout observer pour voir si j'ai pas manqué des trucs parce que ça me tente de tout observer. Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan? Non, le père et le fils Osborne. Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Ah, peut-être le en fait. Il est quoi là? Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte coupe-feu désenclenchée. Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. Mais où a-t-il rangé la clé? Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre? Je voudrais prendre quelques notes ce jour J. Voilà. Je le dis pas assez souvent, mais... Merci, papa. Pour tout ça. Je t'aime. Waouh. J'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement... épuisé. Bon anniversaire, ma chérie. Désolé, je suis un peu en retard. Le mois a été chargé. Tu me manques, Emily. Aujourd'hui en particulier, j'ai mis Harry, je l'ai envoyé se faire soigner, on va le sauver, je te le promets, on n'a pas développé le GR-27 assez vite pour te sauver toi, mais je ne laisserai pas tomber Harry, je touche à rien dans sa chambre pour quand il rentrera. Et c'est toi qui gardes la clé. Je sais que... tu en prendras soin. On va aller là. Non, on va aller fermer le port. Quoi? C'est pas pour Harry, ça, quand même? Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère. Non, l'œil de poil là. Le journal d'Harry.
Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Oh merde. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous serez complètement exposés sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Ces hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. J'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Ok. 18 juillet. Bingo. Oh. C'est trop flippant.